Mortimer, vous me recevez? Je vous reçois 5 sur 5, Blake. Mac 1. Mac 2. Passons aux choses sérieuses. Mac 4. Mac 4 et demi. Mac 5. Altitude 60 000 pieds. Blake! Blake! Vous me recevez? Francis, répondez. Je vous reçois. Tout va bien. Mac 7. Altitude 110 000 pieds. Tous les records sont pulvérisés. Hourra! Mac 8. 120 000 pieds. Je pense qu'il est inutile d'aller plus loin pour un premier essai, Francis. Très bien, je stabilise. Passons au test de simulation de combat. Cibles en place. Tout est en ordre. Mal ce petit joujou. Avec ça, l'ennemi n'a qu'à bien se tenir. Ah, mais nous avons un problème. Éjectez-vous, Francis. Ne prenez aucun risque. Si vous insistez. Voilà, ça vient de là. On va arranger ça. Démontez-moi l'hyperpropulseur du prototype numéro 2. J'arrive. Le colonel est là, mon commandant. Très bien, j'arrive. Colonel, tout est opérationnel. Regardez. L'attaque est pour ce soir. Nous serons les maîtres du monde. Mortimer? Blake! Bon sang, vous nous avez fait une de ces peurs! Comment vont les travaux? Ça avance, regardez. Encore quelques réglages à effectuer. Le nouveau prototype de l'Espadon sera prêt dans quelques jours. Je crains que ce ne soit trop tard. Je sors d'une réunion à l'état-major. Les renseignements pensent que l'ennemi va attaquer dans moins de 24 heures. Tous les centres stratégiques sont visés. Et nous sommes en tête de liste, mon vieux. Capitaine! Ça vient d'arriver de l'état-major. Voyons. Et voilà. La troisième guerre mondiale vient de commencer. La mission qui nous a été confiée par l'Empereur est d'une importance capitale. Nous devons nous emparer du prototype de l'Espadon. Le professeur Mortimer doit être capturé vivant. Vive l'Empereur! Vive l'Empereur! Moscou, Pékin, Bombay, Rome et Berlin sont en ruine.
victime d'un véritable déluge de missiles balistiques. On nous annonce qu'au moment même où je vous parle, des engins de mort tombent sur Paris et Tokyo. New York et Londres ne sont plus qu'à quelques minutes de la destruction. Le Golden Rocket est prêt. Il faut partir, Philippe. Allons-y. Déclenchez le programme d'autodestruction de la base. Il n'y a pas une minute à perdre, messieurs. Regardez! Au hangar, vite! Mission accomplie, mon colonel. Attendons instruction. Terminé. Les charges devraient exploser d'une seconde à l'autre. Là, regardez. Oh. Adieu, Espadon. Nous en construirons un autre, Philippe. Colonel, le Golden Rocket, Mortimer doit être à bord, il faut l'arrêter. Ici Ulrich, à toute la chasse. Priorité absolue, neutralisez le Golden Rocket. Ne le laissez pas s'échapper. Chasseurs ennemis en approche, mon capitaine. La meute est lâchée, Francis. Nous verrons jusqu'où ils peuvent nous suivre. Colonel, le Golden Rocket prend de l'altitude. Nous nous mettons en formation de combat. Bien reçu, je rentre à la base. Nous sommes suivis. Mais ils ont l'air de tenir à notre compagnie. Ça va être l'occasion de tester notre système de brouillage. À vous, Jim. Brouillage activé. Retour à l'envoyeur. On dirait que le ménage n'a pas été fait à fond. Jim, allez voir les dégâts. Oh ! Jim ? Jim ! Oh, ce n'est rien, mon capitaine. Allez, viens. Allez ! Allez, rapproche-toi encore un petit peu. Oui ! Allez ! Encore un tout petit effort. Je l'ai eu. Nous avons perdu un réservoir supplémentaire. Nous ne pourrons pas rejoindre la destination prévue. Et ça ira, Jim? Ça ira. Et voici les nouvelles coordonnées. C'est l'un de nos points de rendez-vous. Prenez les commandes. Je vais vérifier les avaries. Bien, mon capitaine. Rien. Il ne reste rien. Nous avons besoin de l'Espadon. Il faut capturer Mortimer et l'obliger à travailler pour l'Empire. Il n'acceptera jamais, mon colonel. Alors, il mourra. Nous y serons dans moins d'une heure. Il faut tenir le coup, Jim. Ah, je sens que nous allons avoir plus tard. Rien à faire! Il faut sauter! Il faut trouver une piste. J'en ai repéré une pendant la descente. Là, de ce côté. Jim! Jim! C'est fini. J'aperçois un homme au travers de la route. C'est un pilote ennemi, mon lieutenant. Un pilote? Mais où est son avion? Je crois que j'ai une idée.
Vous voyez le second tank là-bas? Je me demande vraiment ce que nous faisons là. Nous attendons les instructions. Venez. Ici Renard Rouge, j'appelle Ours Bleu. Vous me recevez, Ours Bleu? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ours Bleu, arrêtez! Arrêtez! Bravo, Philippe, joli travail. Oh, le coup était facile. Vous êtes une bande d'incapables. On a retrouvé les débris du Golden Rocket ici. Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour déduire que Blake et Mortimer ont volé ce blindé. Où vont-ils? Vers le sud-est, mon colonel. Je veux que la région soit placée sous très haute surveillance. Pas un lézard ne doit sortir de son trou sans que nous le sachions, compris? À vos ordres, mon colonel. Mon colonel? Quoi encore? Nous avons trouvé ceci sur le corps du copilote du Golden Rocket, mon colonel. C'est très, très intéressant. C'est juste derrière cette chaîne. Là, devant nous. Il y a un bel orage qui se prépare, là-bas. Oui, mais au moins, nous serons à l'abri. C'est sans tête. Il faut les empêcher d'atteindre les montagnes. N'oubliez pas que le colonel les veut vivants. Oh. Oh non! On va y perdre quelques boulons. Dans la montagne, nous serons bientôt hors de portée. Oh! Je suis sûr de capturer Mortimer cette fois. Je vous le souhaite, colonel. Je m'y engage, Votre Altesse. Vous en répondrez sur votre tête. Pauvre bouffon. C'est bien leur véhicule, mon colonel. Mais ils n'ont pas pu survivre à une telle chute. Nous n'avons pas encore retrouvé leurs cadavres. Je les ai sous les yeux, leurs cadavres. Et ils sont tout ce qu'il y a de vivant, crétin. Brillante idée, Philippe. Non, nous n'avions plus d'essence. Autant leur faire perdre du temps à retrouver l'épave. Vous êtes le capitaine Blake et le professeur Mortimer, je présume. Sergent Nazir, 5e bataillon du Makram Levy Corps, à vos ordres, mon capitaine. Nous vous attendions. Venez, ne restons pas là. Mais le point de rendez-vous est là-haut. Venez, j'ai quelque chose à vous montrer. Ulrich, by John. Que fait-il là? J'étais parti en patrouille dans le secteur et à mon retour, ils étaient là. Et nos hommes? Par les saintes culottes de MacGregor! En général, ça veut dire qu'il est content. Mais qu'avez-vous vu, Philippe? Regardez, à gauche du grand cèdre. Oui, l'aile rouge! L'avion personnel d'Ulrich. On peut monter là-haut? Tu parles d'un petit déjeuner. Chut! Passe un bruit. Ça fait une heure qu'ils ont disparu. Où peuvent-ils être? Je peux envoyer une patrouille. Et gâcher mon effet de surprise? Pas question.
Retirez les bâches, je m'occupe du reste. Mauvaise fréquentation, mon vieux Francis. Un garçon un peu trop affectueux, en effet. Vous allez savoir piloter cet engin ? Aucun problème. Envoyez une patrouille. Mais prenez Mortimer vivant. Mais c'est mon avion ! Nous approchons de notre base secrète. Eh bien, pas trop tôt. J'ai hâte de me remettre au travail. Et moi, d'être aux commandes d'un nouvel espadon. Avec ces plans, nous pouvons sortir le premier prototype en 2 mois. Oh ! Mais on nous tire dessus ! Je vais voir ce qui se passe. Des partisans ? Mais nous sommes de leur côté, Nazir ! Nous, oui, mais pas l'aile rouge. Je vais essayer de reprendre de l'altitude. Moteur, il va falloir se cracher. Ça commence à devenir une habitude. Vite, sortons de là. Francis! Mais enfin, qu'est-ce que vous fabriquez? J'ai horreur de me presser. Mais il faut parfois faire une exception. J'ai récupéré vos documents. Ouh, on a eu chaud. Oui, comme vous le dites. Capitaine, professeur, nous sommes sauvés, ce sont nos amis. Et soyez les bienvenus. Faut partir, vite. Pour moi, ce sera un Earl Grey et des toasts. Philippe, mais nous ne sommes pas à l'hôtel. Tu as fait du bon travail. Ils sont faits comme des rats. Nous allons vous couvrir. Vous devez vous enfuir. Mais comment ? Il y a un passage qui mène au plateau. Vous y trouverez des chevaux. Le lapin va sortir de son terrier d'une seconde à l'autre, je te le garantis. Parfait! Parfait! Ils vont nous mener droit à leur base secrète. Voilà, nous y sommes. Pas de fausses manœuvres. Il faut s'orienter correctement. Venez, Philippe. Est-ce que nous allons grimper jusqu'au sommet ? Rassurez-vous, 5 ou 6 marches suffiront. Oh. Attention, cachez-vous ! Oh, 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 Francis ! Oh. Attendez, professeur. Francis ! La vue n'est pas mal, mais je me suis déjà senti plus à l'aise. On va vous tirer de là. Oh, merci, vieille branche. Les 3 fuyards ont été repérés. L'entrée se trouve là-bas, mais elle n'est accessible qu'à marée basse. Encore 2 heures et nous pourrons y aller. Je crois que j'ai une sérieuse entorse. Donnez-moi 2 mois et l'espadon sera prêt à anéantir l'Empire. Mon Dieu, non ! Les plans ! J'ai perdu les plans ! Oh, ils ont dû tomber de votre poche pendant votre chute. Je vais les chercher. Je vous accompagne. Non, Nazir, restez avec Blake. Ne m'attendez pas si je ne reviens pas à temps pour la marée. Oui, d'accord. Rendez-vous, Mortimer !
échappé. C'est ça, cause toujours. Oh. Prenez-le vivant. Pourvu que Philippe ait pu s'échapper à temps. Faites fouiller le coin. Les deux autres ne doivent pas être bien loin. Bien, mon colonel. Rendez-vous, professeur. Vous n'avez aucune chance. Une autre fois, colonel. Ah. Bonsoir, professeur. Mon capitaine, la marée est basse. Nazir. Il faut y aller, mon capitaine. Souvenez-vous de ce que le professeur a dit. Vous avez raison. Nous ne pouvons plus attendre. Eh bien, professeur, ravi de vous rencontrer enfin. Le plaisir n'est pas partagé, colonel. Nous n'avons trouvé personne. Continuez à chercher, ils n'ont pas pu disparaître. Ne vous réjouissez pas trop vite, professeur. Nous savons que votre base secrète n'est pas loin et nous finirons bien par la trouver. Nous avons des gens qui sauront vous faire parler et vous rendre très coopératifs. Vous n'auriez pas quelque chose à manger, Ulrich ? Je meurs de faim.